franc pour le Paris Saint-Germain. Et attention à la patte gauche en feu d'Andrel Di Maria. Et c'est lui qui va frapper. Tout à l'heure, il l'a laissé à Paredes. Maintenant, c'est forcément Di Maria qui va frapper. Et voilà, Stéphane Mandanda est sorti. Pelé n'a pas encore une fois touché le ballon. Que déjà, il doit aller la chercher. Au fond des filets, à coup de patte absolument incroyable d'Andrel Di Maria pour le troisième but du PSG. Le calice.